Notre terrain, il a une surface d'environ 6000 mètres carrés, répartie sur trois zones. Ici, vous avez la zone principale qui est un peu comme un grand rectangle sur lequel il y a un bosquet qui entrecoupe un petit peu cette zone. On a une zone là derrière qui est secondaire, qui se trouve à l'avant de parking voiture. La particularité de cette zone, c'est qu'elle est relativement étroite. Et enfin, on a une dernière zone, une troisième zone sur laquelle se trouve la Park Mow. C'est une machine qui est entièrement automatique. Donc finalement, elle demande très peu d'attention et très peu d'entretien. Quand on fait le bilan du retour sur investissement, on se rend compte qu'en trois ans, on a récupéré l'investissement de la machine. La particularité des tondeuses robots, c'est qu'avec le mulching, il y a un enrichissement naturel du terrain. Donc on s'est rendu compte que mettre des engrais chimiques n'était plus nécessaire. Le gazon restait relativement vert toute la saison. Donc on attache beaucoup d'importance chez nous à la conservation de l'environnement. Une machine de type tondeuse automatique, tondeuse robot, ça consomme un peu d'électricité, mais c'est vraiment très négligeable par rapport à une machine thermique au niveau dégagement CO2. Le rez-de-chaussée, ce sont les salles de réunion. Bon, autrefois, on avait de temps à autre quand même la personne qui faisait l'entretien avec sa tondeuse thermique qui passait pendant de nombreuses minutes, voire peut-être quelques heures, et ça dégageait finalement assez bien de bruit. Aujourd'hui, c'est une nuisance qu'on n'a plus. L'application est utilisée uniquement sur smartphone, mais c'est vrai que c'est parfois un peu rassurant d'aller vérifier sur l'application où se trouve la machine avec l'application de localisation sur Maps quand la Park Mow, on l'a plus vue depuis un petit temps, on est rassuré de la voir sur l'application, on se rend compte qu'elle est simplement en train de tondre derrière le bosquet, là, derrière moi. Chez nous, elle fonctionne en journée, quelle que soit la météo, qu'il vente, qu'il pleuve, ça ne pose vraiment aucun souci. Belm Robotics, the Grassmasters.